Donc avec le président de la UC Judo, donc c'est une belle journée qui se passe. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette journée? Bonjour, une excellente journée, encore une super édition. Toutes les délégations étrangères présentes, hein, ont répondu présentes, donc le Japon, l'Algérie, les Belges, les Italiens, le Canada, donc on est ravis de les accueillir, et même de très très bons judokas nationaux, donc encore enchantés de les accueillir. Est-ce qu'il y a un judoka qui s'est dégagé du lot cette année? Écoutez, je suis dans l'organisation, donc il m'est difficile un peu de regarder tous les têtes à nu. On doit régler un peu l'impondérable, mais les délégations françaises ont brillé cette année. Hein. Les Japonais ont dominé la situation l'année dernière. Là, on sent bien que nos judokas français leur tiennent tête et on a de très bons résultats de leur part. Mais c'est vrai que le Japon, ils arrivent avec des judokas aguerris et des véritables combattants. Est-ce que cette année, il y a un représentant de la UC Judo dans le tournoi qui se démarque? Cette année, on n'a pas de représentant de la UC Judo. Hein. En ce moment, on prépare des jeunes, hein, Benjamin, Minim et Cadet. Ils vont arriver en force. Je pense qu'ils seront présents l'année prochaine. Aujourd'hui, on accueille des clubs voisins comme la SPTT, les Mille. Donc, on est content de les accueillir, qui représentent le département. Alors, merci beaucoup.